The ashram of St. Ramanath Arunachala drew crowds of devotees on September the 1st to mark the completion of 50 years since Ramana first set foot on the sacred soil of this historic mountain shrine. From far and near, they flocked for darshan of the holy sage, who by the severest austerities and profound contemplation has attained spiritual wisdom and serenity unique in the country. Thousands draw comfort from his mere presence, for he neither preaches nor blames, setting at ease all who come to him by the essential goodness he radiates to all around. A good man in a troubled world. Dans la petite ville de Tiruchuli, à 48 km de Madurai, en Inde du Sud, a lieu chaque année Arudra Darshan, une célébration du Seigneur Shiva dans une grande ferveur religieuse. Le 29 décembre 1879, les dévotis avaient sorti la statue de Shiva Nataraj du grand temple de Bhuminatha et la statue de la déité fut exposée en procession dans les rues de Tiruchuli. Tard dans la nuit, à 1h du matin, quand les festivités allaient s'achever et la statue être ramenée dans son sanctuaire, le faible cri perçant d'un nouveau-né se fit entendre juste à l'extérieur du temple. Le garçon, Venkataraman, qui plus tard serait acclamé dans le monde sous le nom de Bhagavan Sri Ramana Maharshi, était né. Venkataraman était le second des quatre enfants de Alagamal et de Sundara Mayer. Sundara Mayer était un avocat renommé à la cour et un homme qui s'était fait tout seul. Il était connu dans la région pour sa générosité et sa sagesse. La maison qu'il fit construire en témoigne. Il la fit construire en deux parties séparées, fournissant des espaces équivalents pour les invités et les pèlerins, aussi bien que pour sa propre famille. Aujourd'hui, cette maison est préservée comme sanctuaire où des pujas ont lieu tous les jours et des pèlerins viennent souvent la visiter. Sundara Mayer inspirait respect et vénération même aux voleurs qui évitaient d'attaquer sa charrette lorsqu'il passait là le soir. Sa femme, Alagamal, était une ménagère traditionnelle, travailleuse et bienveillante. Sa spiritualité innée fut plus tard reconnue alors qu'elle s'épanouissait sous les conseils directs de son fils au soir de sa vie. Le garçon, Venkataraman, allait à l'école élémentaire du quartier comme tous les garçons de son âge et de sa condition. Il jouait parfois dans la rivière Kundinya, aux abords de la ville. Plus tard, il se souvenait, nous nous baignions dans la rivière Kundinya, nous versions de l'eau sur le lingam, dans le temple Kaliar non loin de là, nous faisions des offrandes de nourriture, puis nous les mangions. Les enfants du village adjacent au temple nous y rejoignaient. Nous jouions ensemble jusqu'à la tombée de la nuit, et puis nous rentrions à la maison. Les 12 années de l'enfance de Venkataraman passèrent ainsi joyeusement. En 1891, il fut envoyé chez des parents à Dindigul pour la suite de sa scolarité. Là, il fréquenta la Dindigul Municipal High School.
Cette ville plus grande était à environ 100 km au nord de Tiruchuli. Il vivait dans cette maison depuis moins d'un an quand l'inquiétante nouvelle de la maladie grave de son père arriva. Il rentra immédiatement à la maison et en quelques jours, le 18 février 1892, son père mourut. Sans homme comme chef de famille, ni de moyens suffisants pour l'entretenir, la famille de Venkataraman fut dispersée chez plusieurs parents. Lui et son frère aîné allèrent vivre chez leur oncle paternel, Suba Ayer, à Madurai. Alagamal, sa fille et son plus jeune fils, allèrent vivre chez d'autres parents dans une ville voisine. Madurai, connue pour son célèbre temple Minakshi, était une très grande ville animée. Venkataraman rejoignit tout d'abord l'école Scott's Middle School et, avec le temps, il atteignit le niveau de l'American Mission High School. Il devint évident pour tout le monde que ce garçon ne serait jamais un érudit. Il préférait les jeux et les activités sportives. Si ce n'était pour son étonnante mémoire, la négligence avec laquelle il traitait ses études aurait dû alarmer ses tuteurs. En fait, jusqu'à ce moment-là, aucun but ni sens précis ne semblait émerger de sa vie. Nager dans la rivière Vaigai, faire du sport, étaient des distractions joyeuses pour lui, puisqu'il était doté d'une bonne santé, d'une force et d'une adresse lui permettant de dépasser tous les autres. La première prémonition du destin inhabituel de ce garçon se manifesta en novembre 1895, juste avant son 16e anniversaire. Un jour, alors qu'il rencontrait un parent âgé à qui il demanda d'où il venait, Venkataraman fut étonné de l'entendre répondre d'Arunachala. Il savait qu'Arunachala était un endroit très sacré, mais il n'avait jamais pensé qu'on pût effectivement y aller. La seconde prémonition survint peu après. Son oncle avait emprunté un livre sur les 63 saints tamouls, le Periah Puranam. Venkataraman le prit et le lisant, fut submergé par un émerveillement extatique. Que tant de foi, tant d'amour, tant de ferveur divine soient possibles ainsi que tant de beauté dans la vie. Les récits de renoncement menant à une union divine lui inspirèrent une admiration respectueuse et le désir de faire de même. Le moment suprême vint seulement quelques mois plus tard. Venkataraman était dans la chambre au premier étage de la maison de son oncle quand survint le grand changement de sa vie. En fait, cela fut assez soudain. Une violente peur de mourir s'empara de lui. En dépit d'une bonne santé, sans appeler au secours, il pensa « Je vais mourir ». Ce choc opéra un retournement de sa conscience vers l'intérieur et il fut complètement absorbé par des questions vitales qui exigeaient des réponses. Que signifie la mort? Qu'est-ce qui meurt? C'est le corps qui meurt? Il dramatisa l'événement en imitant l'état de rigidité d'un cadavre, s'étendant raide, retenant son souffle et sa voix comme s'il était mort. Son corps serait transporté au champ de crémation et serait réduit en cendres. Et pourtant, pensait-il, je sens toujours la pleine force de ma personnalité et même la voix du « je » à l'intérieur de moi séparée du corps. Il fait l'expérience d'être l'esprit suprême qui transcendait le corps. Le corps meurt, mais l'esprit ne peut pas être touché par la mort. Il lui fut accordé la certitude qu'il était l'esprit immortel. À partir de ce moment-là, le « je » ou « soi » se concentra sur la source qui est le « soi » et le substrat de toute existence, et son absorption dans le « soi » demeura ininterrompue. Que ce soit en parlant, en lisant ou en faisant n'importe quoi d'autre, il était toujours centré en lui-même, en ce « soi » suprême. L'éveil permanent de cette nouvelle conscience à l'intérieur de lui
signifiait simplement la transcendance du sens du jeu individuel, l'ego, et son union avec Dieu. Avec cette nouvelle expérience, il eut un changement spectaculaire dans sa vie et ses centres d'intérêt. Il n'aimait plus jouer avec ses amis, il était indifférent à sa nourriture et il perdit tout intérêt à ses études déjà négligées. La préoccupation de ce flux de conscience divine éveillé en lui était quasiment totale. Tout ce qui l'intéressait était le temple de Minakshi, juste à côté. Il y allait désormais tous les soirs, et y restait seul de longs moments sans bouger, devant les statues de Shiva ou de Minakshi ou de Nataraj et des 63 saints. Tandis qu'il demeurait là, des vagues d'émotions le submergeaient. La crise survint le 29 août 1896, quelques 2 mois après l'éveil. Venkataraman essayait de copier une leçon de grammaire anglaise quand la futilité de l'exercice le frappa si fortement qu'il repoussa les feuilles de papier, s'assit en croisant les jambes et s'abandonna en méditation. Son frère aîné, qui était assis pas loin et qui observait la scène, le réprimanda ainsi. À quoi sert tout ceci pour un tel individu ? Récemment, il l'avait souvent sermonné à cause de son indifférence vis-à-vis de ses responsabilités et lui fit remarquer que s'il persistait à se comporter comme un renonçant ou un sadhu, à quoi bon rester ici et jouer le rôle d'un étudiant ? Cette fois-ci, Venkataraman reconnut la vérité de ses paroles et au moment où il vient la pensée « Où aller ?», Arunachala jaillit à sa conscience. Peu après, il se leva et dit à son frère qu'il devait assister à un cours spécial d'électricité. De façon inconsciente, son frère lui procura l'argent pour son voyage et lui dit « Alors, prends 5 roupies de la boîte au rez-de-chaussée et paie mes frais scolaires en passant. » Alors qu'il descendait l'escalier, sa tante lui servit un repas qu'il avala à la hâte. Il reçut les 5 roupies et jeta rapidement un coup d'œil à une carte périmée pour situer la gare la plus proche de Tiruvannamalai. Il vit que c'était Tindivanam, bien qu'une ligne de chemin de fer ait été récemment construite vers Tiruvannamalai, où se situe la colline d'Arunachala. En posant le mot qui suit dans un placard, il partit, non pour l'école, ni pour payer les frais du collège, mais pour sa quête. Je suis parti en quête de mon père en accord avec son ordre. C'est dans une entreprise vertueuse que celui-ci s'est embarqué. Par conséquent, n'ayez pas de chagrin pour cet acte et ne dépensez pas d'argent pour rechercher celui-ci. Les frais du collège n'ont pas été payés. 2 roupies sont jointes ici. En atteignant la gare, il regarda les tarifs des billets, il trouva rapidement Tindivanam. S'il avait regardé de plus près, il aurait vu la ville de Tiruvannamalai, mais il était déjà en retard pour le départ de midi. Il acheta son billet et se précipita sur le quai. Il fut soulagé de découvrir que le train n'était pas encore arrivé à la gare. Une fois en route,
Venkataraman s'assit en silence parmi les passagers, perdu dans son exaltation. Après avoir dépassé plusieurs gares, un érudit musulman barbu lui demanda où il allait. S'ensuivit une discussion dont le résultat fut qu'il comprit qu'il pouvait changer à Viluppuram et prendre un autre train pour Thiruvannamalai précisément. Le jour suivant, avant l'aube, il arriva à Viluppuram. Au petit matin, il alla en ville et chercha un panneau indiquant Thiruvannamalai, car il pensait maintenant y aller à pied. Incapable de trouver son chemin et sentant la fatigue et la faim, il s'assit près d'un restaurant en attendant l'ouverture. Après son repas, il retourna à la gare et acheta un billet pour Mambalapatu, qui était la distance maximale avec ce qui lui restait d'argent. Il atteignit Mambalapatu dans l'après-midi et de là, il marcha le long de la voie ferrée vers sa destination. Une marche de 16 km le mena jusqu'à Tirukkoyur. C'est maintenant le soir et devant lui se dressait le vieux temple construit sur un grand rocher. C'est à cet endroit, il y avait un millier d'années, que le saint Nyana Sambandar aperçut pour la première fois la sainte colline Arunachala. Peu après, Venkataraman arriva au temple. Un prêtre en ouvrait les portes pour célébrer la puja du soir. Le garçon entra, s'assit dans la salle aux piliers et immédiatement perçut une lumière intense envahissant tout le temple. Après s'être levé pour chercher d'où venait la lumière, il comprit vite que ce n'était pas d'une source physique. Il se rassit, absorbé en méditation, avant d'être réveillé par le cuisinier du temple qui lui demanda de sortir car ils enfermaient les portes. Fatigué et tenaillé par la faim, Venkataraman demanda de la nourriture et la permission de rester. Ces deux demandes lui furent refusées et lui suggérèrent de les suivre au temple de Kilur, de l'autre côté de la rivière, où il pourrait recevoir de la nourriture après la puja. Arrivé au temple, il s'assit à nouveau et fut plongé en profonde méditation. À 21h, le rituel se termina et un repas fut servi. Il redemanda de la nourriture et cette fois-ci le tambour du temple, impressionné par son apparence et son attitude de dévotion, lui donna sa propre part. À présent, il était très fatigué. Il prit son plat à la main et fut conduit dans une maison voisine pour avoir de l'eau. Pendant qu'il attendait l'eau, il s'écroula de faiblesse ou de sommeil. Après quelques minutes, il revint à lui, but de l'eau, mangea et s'allongea sur l'herbe pour dormir. Le matin suivant était le 31 août, l'anniversaire de Krishna. Quand Venkataraman s'éveilla, il marcha pour trouver la route et commença à ressentir à nouveau la fatigue et la faim. Thiruvannamalai était encore à 32 km. Il s'arrêta à cette maison près du temple de Kilur pour mendier de la nourriture et la mère de famille répondit chaleureusement à ce garçon lumineux en ce jour sacré de Sri Krishna. Venkataraman portait aux oreilles les traditionnels rubis portés par les garçons brahmines et qui valaient une vingtaine de roupies. S'en souvenant, il les offrit à la maîtresse de maison en échange d'un emprunt de 4 roupies lui permettant de terminer son voyage par le train. La transaction conclue et les adresses échangées afin qu'il puisse plus tard récupérer son bien,
le pèlerin partit pour la gare. Il dut dormir dans la gare cette nuit-là, car le train pour Tiruvannamalai ne partirait pas avant le lendemain matin. Le matin du 1er septembre 1896, 3 jours après avoir quitté son domicile, il arriva finalement à destination. À pas rapide, le cœur bondissant de joie, il accéléra tout droit vers le grand temple d'Arunachala. En signe silencieux de bienvenue, les 3 hauts murs de l'enceinte et toutes les portes, même celles du sanctuaire intérieur, étaient restées ouvertes. Il demeura seul, en union de félicité, devant la représentation de son père Arunachala. La quête était achevée, le voyage était terminé. Quittant le temps, Venkataraman flâna vers la ville. Il arriva au bassin de Ayankulam, dans lequel il jeta tout ce qu'il possédait encore, y compris 3 roupies et demie de monnaie. Ce fut la dernière fois qu'il toucha de l'argent. Ôtant son vêtement du bas, il en déchira une bande pour l'utiliser comme pagne, kupina, et jeta le reste dans le bassin. Quelqu'un remarqua l'état d'esprit de renoncement que le garçon dégageait, et lui suggéra sur un ton amusé d'aller aussi se faire raser la tête. Il acquiesça. Retournant au temple et juste avant de passer la porte principale, une courte mais puissante pluie s'abattit sur lui. Le bain de pluie, pensa-t-il, était suffisamment en accord avec les Écritures qui enjoignaient de prendre un bain avant de commencer une vie d'ascète. Après ces formalités, Venkataraman entra dans le temple et reprit sa demeure dans la salle aux 1000 piliers. Il s'assit, s'abandonnant à une absorption totale dans la félicité de l'être. Jour après jour, jour et nuit, il restait assis, sans bouger. Il continua ainsi plusieurs semaines, perdu en extase, sans jamais parler. Un saint connu sous le nom de Seshadri Swami, arrivé à Tiruvannamalai quelques années plus tôt, commença à s'occuper de Brahmana Swami, ainsi qu'on nommait désormais Venkataraman. Des écoliers, voyant un garçon d'à peu près leur âge assis en silence, ressemblant plus ou moins à un humain, commencèrent à lui faire des misères en lui jetant entre autres des pierres. Les tentatives de Seshadri Swami pour les écarter n'étaient pas très efficaces. Aussi, Brahmana Swami chercha refuge au Patala Lingam, un sanctuaire au sous-sol de la salle aux 1000 piliers. À cette époque-là, ce caveau était négligé et rarement visité par des êtres humains, mais fourmis, vermines, moustiques prospéraient dans une atmosphère sombre et humide. Dans ce coin, il s'attaquait à la chair de ce garçon jusqu'à ce que ses cuisses furent couvertes de plaies qui suintaient de sang et de pus.
les cicatrices restèrent jusqu'à la fin de sa vie. Les quelques semaines qu'il passa là furent une descente aux enfers. Cependant, absorbé dans la félicité de l'être, il était indifférent à la souffrance. Elle n'était pas réelle pour lui. Un jour, un homme pieux, voyant les garçons jeter des pierres dans le caveau, fut indigné et les chassa. En entrant dans le caveau, il fut horrifié de découvrir ce jeune garçon en piteux état, assis, inconscient de ce qui l'entourait. Brahmana Swami fut alors sorti à bras le corps et placé non loin du sanctuaire de Subramania. Un Moni Swami commença à s'occuper de lui. Parfois, de la nourriture était placée dans sa bouche, car il n'y faisait pas attention quand on lui en offrait. Pendant quelques semaines, il ne se préoccupa même pas de nouer son pagne. Après quelques semaines, il sortit dans le jardin du temple, puis, plus tard, dans la salle des véhicules du temple, plus tard encore sous un arbre près du mur du temple. Ainsi, pendant à peu près 6 mois, il résida à l'intérieur du grand temple. Il demeura presque toujours complètement absorbé dans une transe de félicité. Il se déplaçait même dans cet état de transe, car en revenant à la conscience du monde, il pouvait se retrouver dans un buisson sans se souvenir comment il y était arrivé. La fête de Kartikey, qui tombe en novembre ou en décembre, attirait des milliers de pèlerins chaque année. Brahmana Swami commença à attirer davantage l'attention et la dévotion de ses pèlerins qui voyaient en lui un sommet du renoncement et de l'union à Dieu. Un sadhu qui s'occupait de Brahmana Swami essaya d'écarter les foules des touristes avec un succès mitigé. Le temps passait et les spectateurs arrivaient sans relâche. Aussi, quelqu'un suggéra que le Swami serait moins dérangé s'il quittait le temple et allait à Guru Murtam, un sanctuaire en périphérie de la ville. C'est par geste que Brahmana Swami accepta. En février 1897, environ 6 mois après son arrivée à Tiruvannamalai, il quitta le temple d'Arunachala pour Guru Murtam. Il n'y eut aucun changement dans son mode de vie. Il restait assis dans ce sanctuaire, le mental et l'essence immergés dans le divin. Il mangeait uniquement une tasse de nourriture par jour et sans jamais parler. D'autres pensaient qu'il observait un vœu de silence, mais ce n'était pas le cas. Il n'avait simplement pas le désir de parler, ni celui de se soucier de son corps. Ses cheveux avaient poussé et étaient emmêlés. Son corps était encroûté de saleté et, à cause d'un manque de nourriture, il avait des difficultés à se lever quand il avait besoin de sortir. C'est là qu'un dévoti sincère, Palani Swami, s'attacha au jeune sage. Il consacra le reste de sa vie à son service, demeurant son assistant pendant 21 ans. Le propriétaire du verger de manguiers voisin remarqua que le nombre de pèlerins et de touristes avait augmenté, causant quelques troubles. Il offrit son verger clôturé comme résidence alternative. En mai 1898, après un peu plus d'un an à Guru Murtam, Brahmana Swami et son assistant allèrent dans le verger. Les manguiers ont été coupés depuis longtemps, et le terrain sert à présent à faire pousser du riz. Mais le caractère sacré provenant du séjour du jeune sage empêchera ces terres de sombrer dans l'oubli.
Au moment où Venkataraman déménagea dans le verger, son oncle de Madurai mourut. C'est à ses funérailles que la famille en deuil reçut la nouvelle que le garçon fugitif était à présent un swami révéré à Tiruvannamalai. Alagamal envoya avec anxiété le frère de son défunt mari, Neliappa Iyer, pour ramener le garçon. Après son arrivée à Tiruvannamalai avec un ami, Neliappa Iyer fut profondément ému de voir son neveu dans un état d'être aussi intense, mais bouleversé par son état de santé. Il parlementa avec le garçon pour qu'il revienne dans sa famille. Le swami resta silencieux et indifférent, et son oncle revint chez lui, déçu. 6 mois passèrent tranquillement dans le verger de manguier. Puis le swami décida de vivre seul et de mendier sa nourriture en ville. Il déménagea au temple d'Arunagirinathar. Palani Swami, son assistant, insista pour le suivre. Après 1 mois à cet endroit et 1 autre mois dans le temple d'Arunachala, il monta à Pavalapkunru, un des sommets est de la montagne Arunachala. Il resta là dans le temple et continua à rester assis comme avant, immergé dans la félicité de l'être. Ce fut là, vers la fin de 1898, que Alagamal trouva son fils. La mère monta les marches jusqu'à la demeure de son fils et le reconnut immédiatement, malgré l'état dégradé de son corps et ses cheveux emmêlés. Jour après jour, elle l'implora, le supplia, et lui reprocha même de ne pas être rentrée à la maison. Le garçon restait impassible. Enfin, désespérée, elle éclata en sanglots incontrôlables. Le garçon s'en alla pour ne pas montrer sa compassion et lui donner de faux espoirs. Finalement, il écrivit sur un morceau de papier « L'ordonnateur contrôle le destin des âmes selon leur prarabdha karma. Ce qui n'est pas destiné à arriver ne se produira pas, quoi que vous fassiez. Ce qui doit arriver arrivera, quoi que vous fassiez pour l'empêcher. C'est certain. Donc la meilleure attitude est de rester silencieux. » La mère se résigna à cette ferme résolution et s'en alla. Peu de temps après le départ de sa mère, le swami alla habiter sur la colline, juste au-dessus du grand temple. Poussé par des circonstances diverses, il déménagea de grotte en grotte sur ce versant jusqu'en 1922, quoique sa résidence principale jusqu'en 1916 fut la grotte de Virupaksha. Cette demeure qui contient les restes d'un saint du XIIIe siècle, Virupaksha, est à côté d'un petit ruisseau. Malheureusement, les mois d'été, la grotte devient d'une chaleur étouffante et le ruisseau se tarit. Durant cette période chaude, le swami et ses fidèles déménagent dans la grotte du Manguier, non loin de là, qui est nettement plus fraîche et à côté d'une source permanente. C'est en 1900, peu après son départ pour la colline, que la première photo du jeune swami fut prise. On voit un magnifique jeune homme d'apparence presque enfantine et pourtant rayonnant de la force et de la profondeur d'un sage. «
Pendant les premières années sur la colline, le Swami continuait à rester en silence. Son rayonnement avait attiré déjà à lui un groupe de dévotis et un ashram s'était constitué. Il écrivait parfois des explications ou des instructions pour ses disciples, et le fait qu'il ne parlait pas ne gênait pas l'enseignement, car son enseignement le plus efficace était donné en silence. Simplement, en étant assis en sa présence, les esprits agités devenaient maîtrisés et les expériences spirituelles recherchées depuis longtemps pouvaient se manifester d'elles-mêmes. Ce silence pénétrant et transformateur devint la caractéristique du jeune sage. Le premier visiteur occidental, Frank H. Humphrey, officier de police anglais, a décrit les faits sur lui dans une lettre à un ami en Angleterre. En arrivant dans la grotte, nous sommes assis devant lui, à ses pieds, sans rien dire. Nous sommes restés ainsi un long moment et je me suis senti soulevé hors de moi-même. Pendant une demi-heure, j'ai regardé dans les yeux du Maharshi, dont l'expression de profonde contemplation n'a pas changé. J'ai pu seulement sentir que son corps n'était pas l'homme, c'était l'instrument de Dieu, simplement un corps assis, sans mouvement, à partir duquel Dieu rayonnait de façon incroyable. Mes propres sensations étaient indescriptibles. En 1902, il se trouva qu'un certain Shiva Prakasam Pillai vint à Thiruvannamalai pour une mission du gouvernement. Après avoir entendu parler du jeune sage, il monta immédiatement sur la colline pour le voir et fut fasciné dès sa première visite. Il posa 14 questions, et puisque le Swami observait toujours le silence, aussi bien les questions que les réponses furent consignées par écrit. Ces réponses furent plus tard augmentées et arrangées en un livre intitulé « Qui suis-je ?». Ce petit livre contenant ses premiers enseignements reste l'essence de toute instruction jamais donnée. Parmi les premiers dévotis du Swami figurait le tout à fait remarquable et grand érudit et ascète connu sous le nom de Ganapati Muni. C'était un homme d'un talent impressionnant, enfant prodige en sanskrit, mémoire phénoménale, homme d'une sincérité intense, d'une humilité et d'une dévotion naturelle. Sa présence même impressionnait et suscitait respect et admiration. En 1903, alors qu'il était un jeune homme de 25 ans, il déménagea à Thiruvannamalai, pensant que c'était un lieu bon pour pratiquer des austérités. En 1907, des doutes commencèrent à l'assaillir, et par une chaude après-midi, animé d'une grande agitation, il courut sur la colline vers le Swami, tomba à ses pieds, et d'une voix tremblante d'émotion lui dit « Tout ce qui peut être lu, je l'ai lu. Même les écritures du Vedanta, je les ai pleinement comprises. J'ai pratiqué la répétition de noms sacrés, japa, jusqu'à la pleine satisfaction de mon cœur. Cependant, jusqu'à présent, je n'ai pas compris ce qu'était tapas. Par conséquent, j'ai cherché refuge à vos pieds. Je vous en prie, éclairez-moi sur la nature de tapas. » Le Swami tourna son regard silencieux vers lui pendant une dizaine de minutes, puis répondit. Si on observe d'où la notion « je » s'élève, le mental est absorbé dans cela, ceci est tapas. Quand on répète un mantra, si on observe la source de laquelle le nom du mantra est produit, le mental est absorbé en cela, ceci est tapas. Ces instructions et la grâce irrésistible qu'il sentait émaner du Swami l'emplirent d'une joie indicible. Il commença à écrire des vers en sanskrit sur le Swami et déclara à tous que dorénavant, on devrait s'adresser au Swami par Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Immédiatement, le nom de Ramana fut utilisé, ainsi que le titre Maharshi, qui signifie « grand sage ». Mais peu à peu, l'épithète Bhagavan commença à s'imposer parmi les dévotis. Cela signifie simplement « divin ». En 1916, la mère de Ramana, à Lagamal, vint à Arunachala, résolue de passer le reste de sa vie avec son fils Asset. Son fils aîné était décédé,
La femme de Nagarasundaram, son plus jeune fils, était décédée aussi, laissant un petit bébé garçon. Nagarasundaram laissa son fils à sa sœur sans enfant, à la Mélou, et se joignit à sa mère et à son frère, le sage, et revêtit la robe ocre des renonçants. Peu après l'arrivée de sa mère, Ramana déménagea de la grotte de Virupaksha à Skanda Ashram, un peu plus haut sur la colline. Mère prit en charge la cuisine de l'ashram et reçut de son fils, qu'elle voyait désormais comme un être divin, un entraînement intense pour sa vie spirituelle. Pendant ses dernières années à Skanda Ashram, elle comprit intuitivement que son salut dépendait de son fils qui était maintenant son seul refuge. Elle refusa de quitter sa compagnie, même pour une journée, de peur de mourir loin de lui. Elle lui disait « Cela ne me gêne pas que tu jettes ma dépouille dans un buisson plein d'épines, mais je veux mourir dans tes bras. » Et dans ses bras, elle était ce jour fatal du 19 mai 1922, quand, par son toucher particulier, elle atteignit l'état d'absorption finale dans le cœur, juste avant son dernier souffle. Sri Kunjuswami, qui fut témoin des dernières heures de mère à Skanda Ashram, décrit la scène ainsi. Ce dernier jour, à partir de 5 heures, il y eut une prémonition que c'était le dernier jour de mère. Bhagavan s'assit à côté d'elle et mit une main sur sa poitrine et l'autre sur sa tête. Bhagavan avait conseillé à chacun d'aller manger parce que si elle mourait, c'était considéré comme impur pour les personnes orthodoxes de manger dans une maison où survenait un décès. Certains orthodoxes parmi nous partirent manger, mais d'autres, qui se sentaient particulièrement proches de Bhagavan, ne pensaient pas à le quitter pour aller manger. Bhagavan resta assis à côté de mère et gardait les mains sur elle. Diverses expressions de joie et de tristesse passaient sur son visage. Bhagavan commentait : Mère est-elle dans ce monde ? Non. Elle est dans des mondes différents, traversant diverses naissances et les expériences qui s'ensuivent. Quand son passage sembla imminent, les gens comme Ganapati Muni, Teka Sundaresa et Ayer et d'autres décidèrent de réciter des Védas. De l'autre côté, Saranagati Ramaswamy et un gentleman du Punjab commencèrent à réciter Ramajapa. Sans l'avoir prévu, nous les rejoignîmes en chantant Aksharamanamalai et Arunachala Shiva. Au milieu de ces chants et psalmodies à voix forte de diverses écritures, Mère quitta son corps. Bhagavan continua à garder les mains sur son cœur et sur sa tête. Nous nous demandions pourquoi il se tenait encore ainsi. Alors, il expliqua. Quand Palani Swami expira son dernier souffle, je fis la même chose. Je pensais que l'âme avait rejoint le cœur et j'ai retiré mes mains. Il ouvrit les yeux et la force de vie partit par ses yeux. Alors cette fois-ci, pour être certain, je garde les mains plus longtemps que nécessaire. C'est ce jour-là que j'ai appris de Bhagavan cet important secret. Ensuite, il s'est levé et nous avons tous mangé. Après le repas, nous sommes revenus nous rassembler près du corps, sans ressentir aucune impureté. Ganapati Muni avait posé la question dans la Ramana Gita sur la possibilité pour une femme d'atteindre l'état de réalisation.
Bhagavan avait répondu que l'état de réalisation n'avait pas de lien avec la forme du corps grossier. Et donc, nous nous sentions tous satisfaits que Mère ait atteint la libération et nous étions heureux. Plus heureux encore parce que nous voyions le visage et le corps de Mère rayonnant à présent d'un tel éclat et d'une telle lumière. Le corps de Mère fut transporté au pied du versant sud et inhumé avec toute la cérémonie et les rites dus à une âme libérée, une Jnani. Un sanctuaire fut construit au-dessus de la tombe et le Maharshi s'y rendait presque chaque jour. Son frère vint habiter là, et quelques mois plus tard, le Maharshi descendit et s'y établit aussi. Les dévotis de Skanda Ashram le suivirent, et ainsi fut fondé Sri Ramanashramam. Au début, il y avait juste une hutte en chaume au-dessus de la tombe de Mère. Mais comme des chercheurs et dévotis commencèrent à affluer de toute l'Inde et de l'étranger, des bâtiments furent construits pour les loger. Une salle de 12 mètres sur 4,50 mètres fut construite pour héberger le Maharshi, et bien qu'il préférait la simplicité en tout, un canapé lui fut imposé. C'est devenu sa demeure la plupart des 24 heures de la journée. Il respectait une routine précise qui comprenait une promenade deux fois par jour. En ces temps-là, il montait sur les versants de sa bien-aimée colline Arunachala et, si on devait parler d'attachement pour lui, ce serait très certainement un attachement à la colline. Il l'adorait et disait que c'était Dieu lui-même, le cœur spirituel ou centre de la terre. Il ne semblait jamais aussi heureux que lorsqu'il flânait sur ses versants et une fois il fit remarquer qu'il n'y avait pas un seul endroit sur la colline où il n'avait pas mis le pied. Il encourageait également les dévotis à faire les 13 kilomètres à pied autour de la colline comme c'était déjà bien connu depuis les temps les plus anciens pour être un puissant exercice spirituel. Généralement, le Maharshi semblait être indifférent, simplement témoin à ce qui se déroulait autour de lui. Cependant, il était toujours conscient de ce qui se passait et semblait très exigeant en ce qui concerne certaines questions. En tout premier, il insistait pour être accessible aux dévotis et visiteurs à tout moment. Même le jour de sa mort, alors qu'il n'avait même plus la force de tenir sa tête droite, il affirmait qu'on ne devait pas empêcher les dévotis de le voir. Il était également très pointilleux sur le fait que les visiteurs devaient être nourris dès leur arrivée et la nourriture devait être bien cuisinée et nourrissante. Il a participé à la préparation des repas et supervisé la cuisine pendant des années. Le Maharshi était inflexible sur le fait qu'il ne devait pas être l'objet d'aucune préférence concernant la nourriture ou toute forme de confort. « Si c'est bon pour moi, « cela doit être bon pour tous », disait-il, quand une nourriture spéciale ou des remèdes lui étaient offerts. Il demandait alors aux assistants de les distribuer à chaque personne présente avant qu'il ne les prenne lui-même. En sa compagnie, on pouvait noter une totale absence de distinction entre hommes et femmes de différentes castes et croyances, de différentes races et religions, entre un prince et un paysan, un ascète ou un chef de famille. Son sens de l'égalité s'étendait loin au-delà de l'humain et embrassait même les plantes et les animaux. Son amour et son affinité avec les animaux peut être seulement comparé à ce merveilleux enfant du Christ qu'était saint François d'Assise. Ils venaient tous à lui, chiens, serpents, singes, corneilles, cerfs, paons, petits rongeurs, et vaches, pour n'en nommer que certains. Il connaissait leur langage silencieux, et quand il parlait, il comprenait et obéissait. Il arbitrait les querelles entre les singes. Il savait parler aux léopards et aux cobras sauvages, et tout le règne animal l'acceptait comme leur gardien et leur défenseur.
Tous ressentaient sa grâce et agissaient avec intelligence en sa présence. Il considérait toutes les créatures vivantes comme égales, et ceux qui venaient à lui méritaient une part équitable de l'espace et des ressources de Ramanashramam. Il mentionnait souvent que c'était leur territoire depuis toujours et que nous, humains, étions venus simplement l'occuper. S'ils avaient pu parler, ils auraient aussi bien pu réclamer leurs droits. À côté de cela, il maintenait que chaque créature, de l'homme jusqu'au plus petit insecte, était une manifestation à égalité du Soi suprême, l'un impérissable, et même un animal peut progresser spirituellement et à de rares occasions atteindre la libération. Ce fut démontré par la vie de la vache Lakshmi. Pendant plus de 20 ans, elle vécut à l'ashram et montra une rare dévotion à l'égard de Bhagavan et une intelligence dans tous les domaines. Bhagavan lui rendit pleinement sa douce dévotion et à son dernier jour, quand sa fin était proche, il vint vers elle. « Amma, mère, dit-il, tu veux que je sois près de toi ?» Il s'assit près d'elle et prit sa tête sur ses genoux. Il la fixa dans les yeux et mit sa main sur sa tête et également au-dessus de son cœur. Tenant sa joue contre la sienne, il la caressa. Satisfait que son cœur soit pur et centré sur Dieu, il la laissa. Peu après, elle quitta son corps, tout à fait en paix. Elle fut inhumée avec la cérémonie complète et une pierre sculptée à sa ressemblance fut érigée sur sa tombe. Une épitaphe écrite par Bhagavan fut gravée, déclarant qu'en fait, elle avait atteint la libération finale ce jour-là. Le Maharshi était toujours soigné et propre, il était toujours ponctuel et sa frugalité était sans faille, rien n'était gaspillé. Il était souvent vu penché pour ramasser un seul grain de riz et le remettait à sa bonne place. Quel que soit le travail qu'il accomplissait, il le faisait avec une totale concentration, bien plus vite et plus parfaitement que quiconque. Et il n'était nullement affecté par toute l'attention qu'on lui prodiguait. Il ne voulait jamais rien de personne, il était entièrement satisfait par la plénitude immaculée du Soi suprême. En ce qui concerne ses qualités humaines, sa personnalité frisait la perfection. Mais son trait le plus remarquable n'était pas humain, mais d'ordre divin. C'était la qualité divine transformatrice opérée par sa présence qui attirait à lui des milliers de personnes de tous les coins du monde. Sa présence même, son silence, mettait fin aux souffrances de nombreux cœurs et transportait les âmes mûres vers le royaume de la plénitude spirituelle, la réalisation du soi. Écoutons une expérience pas si rare d'une chercheuse telle que Ramani Rajagopal Amal. Le regard de Bhagavan était une vraie magie. Vous pouviez ne rien faire, mais simplement regarder dans ses yeux transformait votre état en état de samadhi. Tous dans le hall, nous ressentions comme si Bhagavan nous regardait en particulier. C'est la véritable expérience de chacun de nous. De sa façon inimitable, il donnait le regard de la grâce à tous et à chacun assis dans le hall. Le regard de Bhagavan nous plongeait en profond samadhi. Juste en regardant ses yeux, vous en veniez à connaître ce qu'est la méditation. C'est l'expérience commune à tous les dévotis. Demandez à chacun et vous recevrez la même réponse. Une fois, il m'adressa un tel regard que j'ai plongé en samadhi pendant très longtemps. Bhagavan lisait le journal, les lettres qu'on lui apportait, les activités suivaient leur cours, mais moi, je n'étais pas consciente de ce qui se passait à l'extérieur de moi. En fait, j'étais inconsciente de mon corps. Les chercheurs sincères affluaient vers lui et l'intensité de leur sincérité était intégralement rendue d'une manière non visible, ressentie d'eux seuls.
il expliquait aux dévotis que bien qu'on puisse avoir diverses visions, entendre des sons surnaturels, avoir des expériences de voyance, même développer des pouvoirs occultes tels l'invisibilité, la matérialisation d'objets, etc., ce n'est que lorsque le mental est parfaitement silencieux et a rejoint le cœur, le siège du soi suprême, que la vérité finale est réalisée et la perfection atteinte. Avec ou sans vision, ils étaient guidés et amenés au-delà des limitations du corps et du mental et éveillés à la pure conscience du soi dans le cœur. Professeur Krishnamurti Iyer, un homme âgé, ardent dévoti du Maharshi, se souvient de ses expériences lorsqu'il était assis devant le maître en 1934. Autour de minuit, j'étais simplement, je ne bougeais pas, je restais simplement où j'étais. J'étais inconscient de ce qui se passait autour de moi. La lumière que vous avez vue, lumière venant d'un miroir concave focalisé en un faisceau parallèle, quand vous projetez un miroir concave, elle se concentre sur un point focal. Ce point focal était le cœur. En ce point, toute la lumière était aspirée. Le cœur était ouvert. L'énergie Kundalini était complètement aspirée dans le cœur. C'est le siège d'Arunachala Ramana. Et là, quand l'ouverture se fait, habituellement le cœur est fermé. Je n'ai pas connu de telles choses, jamais. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet. Ce sont des expériences pratiques. Durant toute la nuit, immédiatement, jaillit en avant un flot de nectar, félicité, venant du cœur. Cela inonda chaque pore de ma peau, cela inonda tout mon organisme physique. Cela se déversait, déversait, déversait vers l'extérieur. Cela continua de plus belle à grand flot. L'univers entier était empli. Le plus drôle était que ma conscience n'était pas dans le corps. Ma conscience embrassait tout l'espace, empli de ce nectar. L'univers entier était nectar. Nectar, je l'appelle éther. Vous pouvez lui donner un nom, quelque chose de très subtil, mais relié en conscience à chaque point. Et tous les corps ici, vivants ou non, étaient simplement comme des flocons, flocons de neige flottant dans cet océan de nectar. Si vous me demandez ce qu'était mon corps était l'univers entier de nectar. Par son regard et par le pouvoir de sa présence, il générait un affaiblissement du mental et l'expérience de la réalité parfaite et une. Il disait souvent que le vrai enseignement était le silence, mais cela ne signifie pas que des explications verbales n'étaient pas données aussi. Et bien qu'il autorisait nombreuses méthodes différentes de pratiques spirituelles, lui cependant insistait surtout sur la voie de la recherche du soi. La première et la plus importante de toutes les pensées qui survient dans le mental est la pensée primordiale « je ». C'est seulement après l'émergence ou l'origine de la pensée « je » qu'un nombre incalculable d'autres pensées s'élèvent. Recherché par le moyen d'un mental profondément introverti, d'où ce « je » provient. Si nous allons à l'intérieur, en nous questionnant sur la source du « je », le « je » s'écroule, et immédiatement, une autre entité se révélera en proclamant « je-je ». Même si elle émerge aussi en disant « je », elle n'est pas l'ego, mais l'existence parfaite, une. Des gens de toute religion venaient à lui, et il ne conseillait jamais à personne de changer la forme de leur foi, ni d'abandonner leurs croyances. Il répondait patiemment à leurs questions, mais à la fin, il les ramenait au soi. « Connaissez qui vous êtes, tout le reste sera alors connu, » disait-il. À une question sur le bonheur, il répondait « Le bonheur est votre nature réelle. Vous vous identifiez au corps et au mental et ressentez leurs limitations et vous souffrez. Réalisez votre vrai soi dans le but d'ouvrir la réserve de bonheur sans mélange. Ce vrai soi est la réalité. » La vérité suprême,
qui est le soi de tout le monde que vous voyez en ce moment. Le soi de tous les sois, la réalité une, le suprême, le soi éternel, distinct de l'ego ou de l'idée du soi lié au corps. Il n'a jamais conseillé à qui que ce soit de quitter sa famille ni d'aller dans la forêt. L'obstacle est le mental, disait-il. Il doit être dépassé, que ce soit chez soi ou dans la forêt. Et pourquoi vos activités ou devoirs de votre vie devraient-ils interférer avec votre effort spirituel ? Renoncer aux activités signifie renoncer à l'attachement aux activités et à leurs résultats. Renoncer à la notion « je suis l'auteur de mes actes ». La pratique de ces enseignements ne demandait pas d'aller à des rituels extérieurs ou des cérémonies. Elle nous amène droit à la source de notre propre être, qui est la source d'où toutes les religions émergent et là où elles doivent au final se résoudre. Elle peut être pratiquée par des hommes et des femmes de tout horizon, quel que soit leur environnement. Le Maharshi vivait ce qu'il disait. En fait, il était la plus parfaite démonstration de l'état suprême de réalisation du soi. Et bien qu'il était fixé dans un état permanent de pure conscience, son corps était soumis aux lois de la nature. Avec le temps, il souffrit de rhumatisme et devint affaibli par l'âge. Au début de 1949, un petit nodule apparut sous le coude de son bras gauche. Il fut opéré. Il réapparut plus tard et fut diagnostiqué comme tumeur maligne et centimètre par centimètre grignota la chair de son bras gauche, empoisonna son sang et finalement baissa le rideau sur une vie de pureté et de grâce immaculée. Pendant cette dernière année, de terribles souffrances apparurent, mais le Maharshi ne se plaignit jamais. Il semblait indifférent à l'existence ou la non-existence du corps, étant quasiment inconscient de son corps. Les dévotis, voyant son affaiblissement progressif et les symptômes de mauvais augure, exprimèrent leurs souffrances liées à son départ imminent. Il leur dit simplement qu'ils attachaient trop d'importance au corps, indiquant par là que son influence n'était pas limitée au corps malade qu'ils voyaient devant eux. Quand, le 13 avril 1950, un médecin lui apporta un remède spécial, il refusa, disant « Ce n'est pas nécessaire, tout sera comme cela doit être avant 2 jours. » Le jour suivant, une foule passa en longue file devant l'embrasure de la porte. Le corps qu'il voyait, ravagé par la maladie, tout rétréci, les côtes saillantes, la peau noircie. C'était d'un vestige de douleur impitoyable. Cependant, à un moment donné, durant ces derniers jours, chacun reçut un regard de reconnaissance direct, lumineux et pénétrant, qui fut ressenti comme un regard d'adieu empli de grâce. Ils disent que je vais mourir, mais je ne pars pas. Où pourrais-je aller ? Je suis ici. Il répéta cette phrase plusieurs fois, signifiant clairement que la fin de son corps n'interromprait pas la graisse et la guidance. Et ce soir-là, le moment avant la fin arriva, et de manière inattendue, un groupe de dévotis assis à l'extérieur du hall commença à chanter Arunachala Shiva. En l'entendant, les yeux de Sri Bhagavan s'ouvrirent et brillèrent. Il sourit brièvement avec une tendresse indescriptible. Des larmes de félicité coulèrent du bord externe de ses yeux. Encore un inspire et plus rien. Il n'y eut ni combat, ni spasme, ni aucun autre signe de mort, juste que l'inspire suivant ne vint pas. À ce moment même, une énorme comète traversa lentement le ciel et disparut derrière la sainte colline d'Arunachala. Nombreux sont ceux qui l'ont vue, même d'aussi loin que Madras, et ont ressenti ce que cela signifiait. Il était exactement 20h47, le 14 avril 1950. Le jour suivant, une fosse fut creusée et le corps fut enterré avec les honneurs divins. La foule entassée de façon serrée
regardait dans un silence lourd de chagrin. Un lingam en pierre noire polie, le symbole de Shiva, fut consacré et placé sur sa tombe. La foule s'est dispersée. Après le premier choc lié au deuil, les dévotis commencèrent lentement à revenir à Tiruvannamalai. Ils disent que je vais mourir, mais je ne pars pas. Où pourrais-je aller ? Je suis ici. Ils découvrirent rapidement à quel point c'était vrai. Plus que jamais, il est devenu le gourou intérieur, guidant les chercheurs plus activement, plus directivement. Les dévotis, où qu'ils puissent être, trouvent sa grâce et son soutien, sa présence intérieure, non seulement aussi puissante, mais même plus puissante que jamais avant. Et depuis la disparition de sa forme corporelle, son nom et sa renommée ont grandi de jour en jour. Maintenant, en nombre croissant, des milliers de personnes affluent vers sa tombe et sentent la puissance influente de sa présence. Maisons et villas ont surgi à l'intérieur et autour de l'ashram. Le temple construit sur le corps de mer s'est chargé d'une force spirituelle palpable. Le programme est resté le même que lorsque le Maharshi était là physiquement. Seule la taille et l'envergure de l'ashram se sont agrandies afin de faire face à la demande sans cesse croissante des chercheurs sincères du monde entier. Il vécut sa vie, diffusa sa puissance, exposa son enseignement seulement pour démontrer à l'humanité que la vie avait un but et un sens. Il y a une réalité indescriptible, une beauté incomparable, une vie de paix et de félicité parfaite à l'intérieur du cœur de tous les êtres. Il est l'incarnation de cela. Une visite à Sri Ramanashramam relie intimement à la présence divine de Bhagwan Sri Ramana Maharshi. Cette présence, en fait, pénètre tout. Elle est ici et maintenant. Elle est le soi de tout. Le bonheur est votre nature véritable. Réalisez votre vrai soi dans le but d'ouvrir la réserve de pur bonheur. Océan de nectar,
plein de grâce, engloutissant l'univers dans ta splendeur. Ô Arunachala, le suprême lui-même, sois toi le soleil et ouvre le lotus de mon cœur en félicité. జడం కృతి మహోదధౌ పతన కారణం ఫలమ శాశ్వతం గతి నిరోధకం ఈశ్వరార్పితం నేచ్ఛయా కృతం చిత్తశోధకం ముక్తి సాధకం కాయ వాంగ్ మనః కార్యముత్తమం పూజనం జపశ్చింతనం క్రమాత్. ఈశ దర్శనం స్వాత్మరూపతః ఆత్మసంస్థితిః స్వాత్మదర్శనం ఆత్మనిర్భయాదాత్మనిష్టతా జ్ఞానవర్జితా జ్ఞానహీనచిత్ జ్ఞానమస్తికం జ్ఞాతుమంతరం కిం స్వరూపమిత్యాత్మదర్శనే అవ్యయాభవా పూర్ణచిత్సుఖం. పరం సుఖం విందతీహ జీవస్తు దైవికః అహమపేతకం నిజ విభానకం మహదిదం తపోరమణ వాగ్యం.